Tous les écrivains sont des privilégiés. La littérature n'est jamais que le reflet de successives fractions dominantes, des successives formations historiques et sociales depuis la plus haute antiquité. Je sais pas, le premier texte que nous ayons, c'est Gilgamesh, c'est la hiérocratie d'Akkad et de Sumer, l'Iliade et l'Odyssée, c'est le texte de l'aristocratie foncière du Péloponnèse. La chanson de Roland, c'est la chevalerie carolingienne. Marcel Proust, c'est la grande banque parisienne. Roussel Clark, c'est le trust pharmaceutique du Clark. Claude Simon, c'est la rente foncière de la propriété. Excusez-moi d'être vulgaire. Mais... Si on ne comprend pas, on ne comprend rien, je pense. Bah ouais. Ce qui explique les difficultés que nous avons enseignées, selon que nous avons affaire à des enfants, il y a quelque chose de transhistorique dans le privilège. Je crois qu'on est un privilégié au fait qu'il dispose de ce que les Grecs appelaient scolé, c'est-à-dire l'école, qui signifie le loisir studieux, c'est tout. On peut cultiver sa propre personne, son propre esprit. On stylise ses actes, son langage. Le roi Louis XIV parlait mieux, dit-on, c'est Saint-Simon dit ça, que le meilleur homme du monde. Il essuyait un cœur discret, lui, dont le cœur était assez sec lorsqu'il assistait aux présentations des pièces de Racine. La littérature, il existe, je vais utiliser une image répugnante, celle de la projection interne corticale du corps humain. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La cartographie électrique du cerveau permet de faire apparaître la représentation interne de notre corps. C'est une sorte de monstre, un gnome, avec une tête très volumineuse, des lèvres énormes, ballonnées, deux mains gigantesques dans lesquelles le gnome pourrait se lever, un torse très étriqué et des jambes atrophiées. Et le plus beau, ce n'est pas ça, c'est le fait que les organes de la phonation, la langue et le larynx sont arrachés au corps et projetés en avant des lèvres sur l'axe cortical. Mais la littérature est la sœur de ce gnome. Certains groupes sociaux sont surreprésentés à l'intérieur de la littérature. Bon, Ulysse est un propriétaire foncier. Si ceux qui bénéficient des conditions d'existence qui font la richesse prodigieuse de l'intériorité de Marcel Proust représentent 0,0 quelque chose de la population dans la France de la belle époque. La moitié de la population française est à peu près illettrée. Ou jargon, c'est le cas de ceux qui m'ont précédé, les dialectes d'Oc qui ont survécu à l'édit Villers-Cotterêts. L'écriture est un luxe, c'est l'expression sélective des vues, des agissements, des buts, des intérêts, des fractions dominantes, c'est tout. Donc si on s'adresse à des gosses qui ont vécu eux-mêmes, qui ont bénéficié du privilège économique et symbolique, on a toutes les chances de parler le même langage et ils sont comme des poissons dans l'eau. Si on se retrouve en ZEP, ça m'est arrivé, on peut faire ce qu'on veut, on n'atteindra pas des gosses dont non seulement le langage mais la vie sont aux antipodes de ceux dont font état des volumes imprimés qu'on a aux mains, la meilleure volonté n'y peut rien. C'est l'enroulement, c'est la structure de société, c'est la répartition inégale des deux sortes de biens qu'il y ait, du bien économique, la fraction du produit du travail collectif qu'on s'approprie sous un prétexte ou sous un autre, et puis les biens symboliques. Le coup de tonnerre que fut en 1904, c'est pas gros, de la publication des héritiers de Bourdieu. Ah bon, tiens, c'est comme ça que ça marche. Ben oui, un petit sociologue. Excusez-moi d'être brutal. Je suis prof, j'ai enseigné pendant des millions d'années en collège. Voilà ce que j'ai constaté invariablement. Ou bien ce serait une part de tarte du gâteau, parce qu'en face de moi, des gosses, mes parents étaient profs, avec le baccalauréat, etc., etc. Ou bien je tombais sur ce qu'on appelle les gosses de la diversité, arraché tout vivre, les contextes apocalyptiques, la guerre, la misère, le sous-développement. Et à qui ce que j'étais censé leur raconter ne disait littéralement rien, parce que sans rapport aucun, ce qui était leur vie matérielle et leur culture, enfin leur culture oui, qui s'apparente, confrontée à notre culture à nous, littéraire, à une culture. La France des Cursus, qui est un essayiste allemand du début du XXe siècle, est ce pays où la littérature a été élevée au rang d'une religion. Et il y a 30 ans, 35 ans, les responsables politiques ont, sans trop le publier, sans tambour ni trompette, embrasser la culture marchande. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à donner un exemple aux gosses, et surtout aux plus déshérités, soit des sportifs complètement analphabètes, des crétins, soit des escrocs, des tapis, comme on s'appelle la messie, les gars. Voilà, on en est là. On en est là. Alors, la question est de savoir si on persévère dans notre être, si on persiste à regarder que la culture littéraire est la forme la plus haute d'accomplissement qu'on puisse envisager, c'est d'obtenir un commentaire scintillant, approché, translucide de la vie. Ce qu'on a fait pendant 500 ans. Ou bien, si on troque notre énergie intellectuelle contre le plat de lentilles, ou le Big Mac et le Coca-Cola, du Nobel, personne ne mange, on fout, se sortir de la carrière. Mais je pense à tous les gamins là, qui vont se colter l'édification des générations futures. Et je sens
Eh oui, vrai, vrai.